Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 50e épisode de la série Dexai, toujours en Normandie avec l'empereur Turul de Deux. Alors on m'a fait remarquer au précédent épisode que j'avais fait une erreur, effectivement j'ai fait une erreur. Ma fille, je ne l'ai pas mariée de façon matrilinéaire, et ça c'est la merde. Parce que du coup ça veut dire que si je joue ce personnage et que ce personnage meurt, les enfants qui hériteront ne seront plus de ma dynastie, ils seront de celle de la sienne, et la partie ça voudra dire game over. Donc ma femme est enceinte, on va avancer tranquillement. J'ai hérité du comté de Roussillon, c'est trop bien, mais j'en ai rien à foutre. Que je fasse du comté de Roussillon, je vais attendre, ouais, voilà, que l'enfant naisse, on va bien voir ce que ça donne. Bah, le comté de Roussillon, on va le donner à lui. Tenez. Alors, j'ai surpris le comte de Dérogue de Penthièvre et ma courtisane Élise en plein flagrant délit. Oh, comment hostile, c'est scandaleux, ils doivent être dénoncés. Voilà, elle s'appelle maintenant l'impudique. Alors oui, j'ai ma menace qui descend petit à petit et je n'ai plus de pacte de chrétien contre moi. Bah voilà, c'est une bonne chose. Alors après, ça peut revenir. Ça peut revenir. Est-ce que je peux revendiquer le duché de Barcelone? Oui. Alors, je peux le revendiquer, mais par contre, cette personne, elle n'a pas de titre. Non, donc ça va pas le faire. Ouais, voilà, j'ai une propriété qui me revient de droit, très bien. Parce que le problème, c'est que... Je te jure, le duché de Barcelone, est-ce qu'il y a des prétendants? Certainement. Le problème, la duchesse de Norfolk. C'est pas chez moi, ça? Ouais, mais alors le problème, c'est que pour pouvoir avoir un prétendant... Enfin, avoir un prétendant, c'est bien, mais... Faut que celui-ci ait un titre déjà. Est-ce que j'ai des titres à donner? Bah, je viens de donner le titre du rond de Roussillon. Je suis con moi aussi, punaise. Ah là 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 là. Ouais ouais ouais. Alors clairement là, toi, je vais pas me rendre là. Bah ouais, mais elle non, c'est pas possible. Et lui, il est quoi? Il est double comte aussi, comte de Limousin. Ouais, pff, c'est vrai que c'était bien la merde. Et lui, il est duc d'Anjou. Ok. Et il a Blois. Ouais, en fait, le duché de Blois, il faut que je le détruise, le titre. Ouais, bah tant pis. Ils seront déçus. J'ai un nouvel héritier! C'est un garçon! Alléluia! On va l'appeler Roland. En souvenir d'une précédente famille. Sinon, je voulais récupérer ça aussi, mais j'ai pas de revendication. Du coup, c'est un peu embêtant. Parce que je n'ai pas de possibilité de récupérer ça. J'ai une revendication de jure sur le comté de Lontian qui est ici, mais j'ai rien sur ça. Si je commence à faire une dispute frontalière, c'est que pour un comté, je peux pas récupérer le duché. Lui, je peux pas l'inviter pour le libérer ou une connerie dans le genre. Parce que bon, vous voyez, chez lui, alors lui, c'est dans le duché de Galloway, mais ça me revient pas de droit parce que je n'ai pas assez de territoire. Sinon, il faudrait que je regarde dans les prétendants. Qu'est-ce qu'on aurait? Ah, elle a une revendication forte. Seulement, c'est une femme, ce qui veut dire que il faut que je lui donne un titre. En fait, si je lui donne pas de titre et que je déclenche la guerre de revendication, parce que elle a une revendication forte, donc ça va me donner un casus belli. Mais si, comme elle a pas de titre, si je lui donne, elle sera indépendante en fait. Elle ne me reviendra pas. Et à tous les coups, quand je vais vouloir la prendre, elle va me dire: oh bon, non, t'es pas mon seigneur de jure, bla bla bla. Le problème, c'est que c'est une femme. Je peux pas lui donner de titre. Foncier. Donc c'est la merde. En fait, il faudrait que ça revient de en succès en héritage. En fait, il faudrait que je l'invite à la cour. Bon, on va pas vouloir. Mais ce sera trop long là pour faire un truc. Hein.
Je l'invite à la cour. Elle dit oui. Du coup, il faut que je la marie à quelqu'un qui a un titre. Bon, lui, il a 12 ans, c'est un peu trop. Mais de toute façon, tous ceux qui sont mariés vont. Tous ceux qui ont un titre vont être mariés, c'est sûr. 11 ans, ouais, voilà. Il faudrait quelqu'un qui n'est pas marié. Je lui file le. Enfin, je la marie. Je lui propose de se marier avec elle. Ils vont sûrement pas vouloir. Et derrière, les enfants de cette femme. Ouais, voilà. Ouais, aurait. Ouais, c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Ouais, elle rejoint ma cour. Sinon, on peut tenter quelque chose. Alors, je crois pas que ça marche, mais on va le tenter. Lui, ça va pas plaire. Je vais lui retirer son comté. Écoutez, ça vaut ce que ça vaut. Peut-être que vous avez déjà la réponse. Moi, je l'ai pas. Donc, je vais prendre Cocon là. Alors, pardon de l'appeler comme ça, mais je sais pas comment elle s'appelle. Je vais arranger un mariage entre elle et lui, par exemple. Voilà, c'est bon. Lui, je vais lui donner le titre foncier du comté de Clydesdal. J'ai appris tous les titres, donc il est devenu comte. Elle, elle va devenir comtesse. Et là, on va essayer de voir ce que ça fait. Déclarer la guerre pour le duché de Galloway. C'est parti. Donc, on va faire un truc. On va lever tout ça et tout ça. Ouais, on peut, à mon avis, pas rêver. Lui, tac. Tout ça, tac. Et ici, tout ça, tac. Et tout le reste, on range. Ah oui, non, mais ça se fait qu'un par un, c'est vrai. Ouais, c'est Shift X pour faire tout. Voilà. Shift X. Attendez, je vais prendre lui en plus. Shift X entrée, parfait. Donc, est-ce que j'ai regroupé tout le monde? Oui. On sort les bateaux de Caen, les bateaux de Cherbourg, ça devrait suffire, on vient tous là. Et on va voir si dans ce cas-là ça fonctionne ou pas. En tout cas c'est bien, on a un fils, j'espère qu'il va survivre. Après des voies de conflit, de disputes et de larmes, ma femme a proposé que nous fassions chambre à part. Alors, je suis lunatique, j'ai la grande vérole, blablabla, on est elle même pas. J'ai envoyé du conseil, je suis sans couronne, ouais. Alors ça par contre c'est un gros malus, elle est homosexuelle. On va essayer de raviver notre amour quand même. Parce que j'ai envie de dire que malgré son homosexualité, elle aurait été bien sympathique avec moi. Alors, tac. Bateau, c'est bon, on prend les bateaux, on va ici. Alors, attendez, parce qu'il y aura une bataille là le 8 septembre et là le 2 septembre. Ah, eux trop tard, ils y sont. Eux ils y arrivent et eux ils y vont aussi. Ok, bon bah. Ça va être tendu quand même. Bon, ça va, j'ai 11 000 hommes qui arrivent. J'ai hérité du royaume de Badajoz. Très 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 bien. Et donc là on a le alors oui ça c'est le duché de Badajoz. D'accord, le comté de Cadix c'est quoi? C'est le duché de Séville. C'est moi qui ai le duché de Séville, d'accord, non, alors je vais lui donner. Tiens, puisque tu diriges tout ça après tout, voilà. Il a deux duchés, il est prince, il est pas mal lui, on va lui donner vice-royauté, le royaume de Badajoz, on inclut tous les titres, et c'est maintenant lui. Voilà. Et du coup, il est encore l'air de pas faire partie du conseil, ouais, bon, on s'en fout. Pour moi, on va laisser comme ça. Comme conseiller, est-ce que je peux le prendre comme conseiller? On va le prendre comme conseiller, allez. Sera parfait. Ouais, on en chie grave, hein, cette bataille-là. Bon, j'aurais gagné à au final. Remarquez, j'ai 9000 troupes qui font rien ici. Ah, ok. Ouais, c'est parce que lui, c'est vrai qu'il... Alors, écoutez, lui, on va essayer de lui envoyer un cadeau. On va faire au maximum, lui, pour qu'il arrête sa faction.
puis c'est tout. Est-ce que le roi de Valence aurait déclenché une guerre là? La guerre sainte valencienne pour Cordoue. Ah bah c'est bien ça. J'ai hésité à faire ça justement, mais vous voyez, mes vassaux ont fait le boulot donc. Maria de Boulogne a rejoint le pacte défensif contre moi. Ouais, ça, c'est bon. Eh, ils ont lâché le pacte, moi je me suis engouffré dedans. Hein. Alors je sais pas si ça va marcher ce que je suis en train de faire, parce qu'il faut que je sois son vassal de jure. Vu que je l'ai marié, c'est pas... Vu que je l'ai marié, pour moi elle est comtesse, elle va récupérer tout ça. Ça devrait fonctionner. Maintenant, on va voir. On va voir. Si c'est bon ou si c'est pas bon. On va lancer des assauts, ça ira plus vite. Attends, on va aller ici, parce que là on a un assaut à faire aussi, puisqu'ils détiennent ça. On va le récupérer. Enfin, ça me leur donnera pas définitivement, mais bon. J'ai reçu un message d'une demoiselle désemparée. Bigny souffre sous le joug d'une femme sans honneur. Ayant entendu des récits sur la putain de Marie, elle me supplie de sa protection. N'ayez pas peur, madame, je vous protégerai. Une Allemande de 17 ans, elle est érudite, elle est lente. Non, vas-y, dégage, je m'en fous de ta vie. Clairement, je m'en fous. Allez, on continue. On va déclencher encore des assauts. De toute façon. On pourrait prendre le temps aussi. Ma femme est dans un état déplorable. Elle aurait la grippe. On va quand même faire venir notre physicien. La duchesse a fourni des informations pour que le duc de Gascogne a répondu des rumeurs. On va le menacer pour qu'il ne rejoigne pas une faction. Espérons qu'il l'acceptera. Il s'est foutu de ma gueule, donc. Ça, il en a rien à foutre. Voilà, donc lui, Ansel de Piémont, c'est bon. Ok. Maintenant, le duc de Tanger. Alors lui c'est dur, je comprends pas où il règne en fait. On va essayer d'améliorer les relations ici, on va voir, hein, en Champagne. Ah oui, il y a 7000 troupes ici. Alors attention. On va regrouper tout ce petit monde là, plus eux. Ouais, alors il a amélioré les relations avec qui? Le duc Arnulf de Toscane, de Pise et de Corse. Ah, mais parce qu'il s'est fait prendre son territoire, non? Ouais, j'y comprends pas grand chose entre nous, hein. Peut-être pas le meilleur moment pour faire ça. Hein. Avec les malus qu'il va avoir, plus mes troupes qui arrivent en renfort, même si c'est des petites batailles, je pense qu'on va la gagner. Ouais, sans problème. Pas grand chose, mais ça donne des points. De bataille, enfin de victoire. Par contre, vite, vite, vite ici, avant qu'il me fasse le siège de Caen, quand même. Le comte, hein, le baron, on s'en fout. Le duc a forgé une alliance. D'accord. Sibyl, votre fils Roland avec Sibyl, votre nièce. Non. C'est bon, là, faut arrêter. On est bien à 100%. Alors, voyons voir. Ouais, alors non, ça n'a pas marché. Elle est devenue petite reine de Galloway, quoi. Carrément. Et donc, elle va refuser la vassalisation. Depuis là, bon, j'imagine que j'ai re-un pacte contre moi. Je range mes troupes. Oh non, j'ai pas envie de devenir ivrogne. Ah bah merde, je voulais pas embarquer mon escorte, et bah je l'ai fait quand même. Ouais, bon bah ça ne marche pas. Hein. Si elle a pas un titre à elle directement, alors je l'ai libéré, hein, c'est déjà bien. Mais ça me suffit pas quoi. C'est le duc de Galloway du coup.
Alors remarquez, c'est pas grave dans le sens où ils vont avoir un enfant, et cet enfant qui va être voilà, il sera hérité du duché de Galloway. Sauf qu'il devrait pas quitter mes... Normalement il sera sous moi, ouais, cet enfant là récupérera tout, puisque le titre appartient duché dans la lutte des successions, il revient à elle qui hérite de tout. Comté de Galloway, comté de Carrick. Alors lui, il a pas d'héritier du coup. Ah putain, c'est pas ça. C'est pas sa fille. C'est pas son enfant. D'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Ok, donc t'as intérêt à lui faire un gosse, toi. Bah, on l'a enceinte, remarqué. Oui, bah c'est bon. Donc si c'est un enfant, si c'est un garçon, à mon avis, ce sera bon. On verra tout ça, de toute façon. Ça peut être une guerre pour plus tard. Enfin, je voyais ce que je veux dire, un bon positionnement pour plus tard. Toi, on va faire ça. Ouais, en fait, t'es nul, j'aurais pas dû faire ça. Enfin, on va voir, mais je m'en fous. Ok, donc lui, c'est bien. C'est génial. Et toi, on va en faire un... Érudit. Ouais, voilà. Écoutez, les relations vont mieux entre nous. Donc voilà. On peut appuyer des revendications de jure. Ouais, ouais. Il va vraiment falloir qu'un jour on s'attaque au Saint-Empire. Je sais que vous l'attendez tous, hein. Ça viendra. Je commence à croire que je plais à Élise. Non. C'est hors de question. Le duc de Paris. Il veut le comté de Rouen ? Non. Il n'aura rien. Si je suis en paix là, faut vraiment que je... Alors, je voulais essayer de faire une lettre de repentance. Je sais pas si je peux le refaire à nouveau, je pouvais pas. Et alors, si je me fais couronner... Ouais, n'est pas caché, un pape exil. Je crois que je peux pas parce que je suis excommunié. Tu rôles d'hériter du royaume d'Angleterre. Ok. Par contre là, pan, on reprend en pleine fouet tous les malus de vassaux. Donc non, on va donner le titre de... Qui on a dans nos vassaux Oui, bon, bah eux, ils sont puissants, oui. Bon, toi, t'es vraiment affreux. Il a 50 ans, bon il m'aime pas trop hein, le duc de York, je crois que de toute façon il était dans mes prisons avant, donc sûrement pas à lui que je vais le donner. Non, la Bretagne, Aquitaine, le duc de Warwick, c'est pas celui qui me déteste le plus, bon il est un peu frêle, il est jeune. Cadeau. Voilà. Tiens, la reine d'Irlande, ça. Ah ouais. Le vexin. Marquer le vexin, je m'en fous. Attendez, je sais plus. Avec tout ça, je... Oui, non, je m'en fous. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Ah non, le vexin de jure, c'est bien normand. Hein. Ouais, donc il me manque le vexin. Sauf que elle, si je commence à lui révoquer un petit truc comme ça... pas apprécié. Et est-ce que je peux lui retirer ça? Ah, intéressant. Il y en a qui sont pour. Ils sont pour. Ah bah! Et bah voilà. Oh la vache! Il m'excommunie. Ah, punaise. Au nom de Dieu de merde.
Et ben voilà, vous l'aviez voulu, vous l'avez eu. Enfin, vous allez l'avoir. La guerre des empires a commencé. Ah ben moi, je vous le dis, ça va saigner. Est-ce que j'ai des alliances possibles, moi? Je crois pas. Hein. J'ai rien. J'ai rien du tout. Et lui, est-ce qu'il a des alliances? Non, il a rien du tout. Un pacte de non-agression, oui. Et je pense pas que ce soit possible de l'appeler dans la foulée. On va voir. Pas de raison que je puisse, hein, par contre, parce qu'on n'a pas de... c'est pas ça qui va me faire gagner, clairement, hein. Déjà bien, il accepte de venir. Bon, bah j'imagine que là, la lettre de repentance... Si, on peut faire une lettre de repentance. Ah, est-ce que ça pourrait annuler la guerre ou pas? Je suis obligé de passer 3 jours dans la boue, la tête couverte de sang, à me traîner vers le palais... ça me levant mon excommunication. Bah voilà. Ah là là, je vous ai fait un vieux truc, hein. Non mais là, vraiment, il a beaucoup de troupes, quoi. Voilà, il en a moins d'un coup. Mais bizarrement, il en avait 100 000, mais... Voilà, je ne suis plus excommunié. Je préfère déclarer la guerre, moi, quand je m'en sens prêt, si vous permettez. Hein? Et alors là, en plus, impeccable, quoi. Juste donner du prestige, bah, j'ai mis ma tête dans la boue, si vous voulez, tout ça, papa, blabla. Mais au moins... Voilà. L'honneur est sauf, que je prépare au moins mon héritage, je n'en ai pas si c'est... Enfin, voilà, je gérerai. Oui, pardon, alors là aussi, super, ils ont récupéré ce qu'il fallait. Ils ont récupéré du territoire. C'est super, ça. Alors par contre, ça appartient à quoi? C'est l'émirat de Cordoue, on peut pas l'usurper parce que la personne est en guerre. Ok, bon, ça me le dira de toute façon. Je pense que vous attendiez pas forcément à ça, mais pourtant, je l'ai fait. Ouf. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est un aventurier qui veut me déclarer la guerre, ça, non? Oui, bah, je t'attends. Une boîte Saint-Jean-le-Baptiste, une boîte de 10 à prix spécial. Un évêque attire votre attention sur le fait que de fausses reliques se vendent. Ouais, on va arrêter les criminels qui font ce genre de choses. C'est vraiment pas bien du tout. Peut-être je devrais écrire une lettre au duc Frédéric. Attendez, est-ce qu'il dit toujours des choses contre moi, lui? Non, il ne fait plus rien contre moi. Alors du coup... je ne suis pas caché, j'ai pas été couronné. Un peu... Une cérémonie de couronnement. Andudit n'est pas empereur, hein. Toutes les conditions sont vérifiées, Laurent est empereur, hein. C'est sûr, Léo. Alors je comprends pas pourquoi je peux pas le faire. Oh, l'étape 1 du grand ouvrage La Bille aux Hommes est achevée. On va aller voir ça tout de suite, les amis. Voyons voir. Depuis des mois, dans de Caen, le palais est un lieu important pour l'intrigue. Super, ça. C'est l'étape 2 qui commence. Construire la prochaine étape, bien sûr. Ah, on a des emplacements qui sont disponibles. Alors, la salle du trône luxueuse. Non, les chances d'arrestation avec la trappe. Ça peut être pas mal, ça. La chambre royale, fertilité plus 5. Ça, c'est cool aussi. Prestige mensuel. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de prestige. Déverrouille le titre mineur gardien royal. Ça peut être drôle. Je sais pas ce que ça change, mais ça peut être sympa. Opinion sur cruauté plus 10. Peut être utilisé pour exécuter les prisonniers. Active les tentatives d'intimidation. Ça peut être sympa aussi, quoi. D'offrir de l'alcool avec la brasserie.
le pignon de la dynastie avec les peintures murales, salle de duel. Oh, y a des trucs sympas, hein. Vitesse déplacement local, bof. La taille de levée, c'est pas mal aussi, ça. Défense du siège, plus 5%. Peut-être tu exécuté, ouais. Résistance à la maladie, plus 1 avec l'hypocauste. Résistance, on peut améliorer, j'imagine, ça. Ouais, c'est une amélioration. On peut faire la garde, capacité de ravitaillement, taille de la garnison, organisation terrestre. C'est énorme, ça. Péage routier, modificateur local d'impôt, plus 5. Opinion sur ivrognerie pourrait vous permettre de vous débarrasser de l'anxiété. Ça, c'est pas mal, l'auberge aussi. Se débarrasser de l'anxiété. Vous direz, je suis pas anxieux. Je suis pire, je suis lunatique. Alors, il y a plusieurs trucs qui me tentent, mais je pense qu'on va commencer par la chambre royale. Voilà. Donc, elle est en cours. Elle devrait être achevée en 1335, le 1er novembre. Alors, elle s'appelle maintenant Le Béni. Bah, Le Béni, ouais, c'est bien pour quelqu'un qui a que des trucs pourris. On peut pas en construire deux, hein, j'imagine. Il y en a une qui est déjà en construction. Alors, où est-ce qu'on en est? Ouais, ça va, on a quand même un solde en positif, malgré ça. Notre femme s'est laissée aller. On va lui dire de s'arrêter de s'empiffrer. Également, mon escorte. Voilà. Donc on a des bonus, hein. Bon, elle ne m'a pas écouté. On va aller ici. On va ranger les bateaux. Escorte. On prend comme ça. On met là, on met là, on met là. Et voilà, on va prendre lui. Oh bon, c'est un commandant de cavalerie. Normand. Parfait. Toi, tu vas là. Ouais, pardon. On va basculer en Normandie, comme ça. Par contre, je suis toujours pas couronné. Ça, ça m'embête un petit peu, quand même. Oh, ça me donne de la piété, je crois. Bon, un commandant... Ouais, ouais, ça m'embête, ça. Alors, un des éléments doit être vrai. En paix, ça c'est vrai. N'est pas caché, ok. Un des éléments suivants doit être vrai. Un pape existe. Où toutes les conditions sont valides, le rang du titre n'est pas empereur, machin. Y a pas de pape? Bah, bien sûr que si, y a un pape. Alors, soit y a un bug. Un pape existe, oui, un pape existe. Je suis bien empereur, je suis bien chrétien, je suis plus excommunié. Un des éléments suivants doit être vrai. Un pape existe. Où toutes les conditions sont valides. N'est pas empereur, hein. Toutes les conditions doivent être valides. Le rang du titre est empereur, titre principal, investiture libre. Alors moi je veux bien essayer de passer investiture libre, mais déjà ça va pas marcher, ils vont pas être d'accord. Les seigneurs séculiers peuvent nommer les évêques du royaume, ce qui renforce l'autorité et ne plaît guère au pape. Bah ouais, mais je vais pas avoir le choix parce que... Ouais, écoutez, je ne sais pas. Oui, il s'est fait encore un peu manger, non? Par le roi de Badajoz, j'ai l'impression. Non mais toi, tais-toi, toi. Je voulais que je négocie avec lui. Vos terres prospères vous donnent la réputation d'un empire aux capacités impressionnantes. J'ai une offre qui assurerait une paix durable entre vous. Permettez-moi de gouverner le comté de Pouer en votre nom et plus personne n'osera l'attaquer. T'es une blague, toi. Va te chier. Regardez, hop. Ah, ça fuit, hein. T'inquiète, j'ai une solution pour te rattraper plus vite que la musique. Ah, elle fuit, ouais. Ça va te faire tout drôle, mon gars. Viens là, déjà. Allez voir comment on va le choper. Ah bah non, il est descendu, là. Le... La femme du duc de Vladimir a passé... Ouais, c'est génial. Dire ce qu'il y a, on s'en fout. Hein. Hop là, je suis en pause, pardon. Je me suis d'apprendre que la visite de ma blablabla, je m'en fiche. Excusez-moi, mais je m'en fous, hein, clairement. Ah bah, même pas... Ils ont même pas eu besoin de moi, tiens.
pas s'il va les tuer, mais moi... Frédéric m'apprécie déjà. Ouais, non, on va arrêter de l'influencer. Sans s'en occuper pour moi. Les troupes musulmanes. Allez, on rentre et on range tout ça. Ça ne sert à rien. Alors, j'ai les emprisonnements justifiés pour moi, je m'en occupe pas. Ouais, bah le duché de Blois, pour le moment, s'en fout, clairement. Bon, bah écoutez, voilà, après cette petite fourberie, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vais vous laisser, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour la suite de cette petite série, et on va voir. On va voir ce que nous réserve la suite. Ah non mais, elle a intégré le... Tout ça pour ça ? Non mais... Ah, remarquez, attendez, ils ont fait un enfant, donc lui, son fils, il est héritier du titre de machin. Est-ce que ça quitterait mon... Bah oui. J'aurais dû lui donner à lui, en fait. Bah non, il avait pas de revendication, lui, c'est l'enfant qui... Bon, j'ai fait un bordel qui m'a servi à rien, j'ai fait une guerre inutile, j'ai perdu du temps, bref, on verra tout ça plus tard. Merci à tous de m'avoir suivi. Bye bye.